Et bonjour à toutes et à tous, ici Nupio, on se retrouve pour une vidéo, un nouvel épisode de Pinocorp. Aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode 30. Je suis content de vous retrouver pour la suite de notre petit let's play sur cette jolie map. Donc on se retrouve, on est dans le marais, la maison est par là-bas, vous le voyez, hein, elle est... Ouais c'est ça, elle est par là-bas la maison. Donc voilà, vous allez me dire certainement, mais qu'est-ce que tu fous dans le marais là nous? Parce que la dernière fois, c'était une nouveauté de la 1.11.2. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors où je vous parle, la 1.12 n'est pas encore sortie. Je ne sais d'ailleurs pas quand elle sortira. On a eu une snapshot, le launcher a été mis à jour. Bref, il y a eu pas mal de trucs sur Minecraft. En ce moment, je fais une petite pause. Puisque bah il y a le Switch qui va arriver, etc. etc. Mais aujourd'hui, donc on se retrouve dans le marais. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fous dans le marais, là, nous? Eh ben, on se retrouve tout simplement pour créer une usine à Witch. Voilà, on se retrouve pour la construction de cette... de l'aménagement de cette witch hut, comme on dit. Voilà, on va aménager une petite usine à witch aujourd'hui. Parce que, mine de rien, les redstone lamps, ça coûte. Ça coûte en redstone et en... Comment ça s'appelle? En... Mince, en... Vous m'avez compris. En poudre lumineuse, bref, je me... En glowstone, voilà. Et bah, la glowstone, faut aller dans le nether, c'est chiant. Et la redstone, bah, à part les witch et le minage, y a rien qui peut nous, qui nous permet d'avoir des... De la redstone, donc voilà. J'ai quand même pas mal miné, hein. J'ai même commencé les minages opti. Donc voilà, force, voilà, j'ai plus vraiment envie de miner sur Pinocorp. Et bon, voilà, au fur et à mesure, la redstone... à 10 minutes, donc voilà, je vais commencer un petit peu la construction. Alors, ce que je vais faire pour cet épisode, messieurs, dames, c'est que je vais construire, je m'arrête, je vous explique, et après, je recoupe, je reconstruis, je vous explique, etc. Je vais pas construire avec vous, parce que c'est un peu compliqué. La redstone en soi ne l'est pas, mais il y a beaucoup de dimensions, il y a beaucoup de choses à savoir, et donc voilà. Alors, il y a quelque chose qui m'inquiète, il me semble que je n'ai jamais vu de witch spawner ici. Attendez, quoi que... J'ai un doute, en fait. On va s'éloigner juste pour voir. Ouais, alors, par contre... c'est chiant, la force. Ah oui, vous voyez, ça bug, regardez. Je suis Moïse qui fend la mer. Voilà. Alors ça, c'est juste les shaders. Je vais vous montrer. Vidéo setting, shaders, off. Allez, c'est quand tu veux. Vous voyez, voilà, c'est juste la glace que le shader ne connaît pas. Bon, c'est pas... C'est pas bien grave. Donc on va s'éloigner un petit peu. Pour voir. Alors le marais est beau ici, hein, mais bon, on va falloir que je le rase en partie pour l'optimisation de la witch farm. Donc voilà, le design est de Monsieur Touf. Et de Monsieur Touf. Donc je l'ai vu chez lui. Je sais pas vraiment s'il en est le créateur. Mais voilà, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne si jamais vous voulez vraiment avoir toutes les infos. Alors ça, est-ce que ça spawn le jeu? Je ne sais même plus. Bref, on va faire la cabane à witch. On se dit, enfin je vais commencer la construction de la cabane à witch et je vous dis à de suite. Alors pour cette usine, alors déjà il fait nuit, je suis très content. Vous allez avoir besoin de tout ça. Donc masse stone slab, 7 stacks de verre, des blocs random, des blocs pleins. Deux sacs de packadice et quelques éléments de redstone avec trois items que je vous expliquerai pourquoi plus tard. Pour commencer, on va déjà délimiter les plateformes. Alors, c'est pas l'usine la plus optimisée qui existe. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a que deux plateformes. C'est pas bien grave puisque j'y resterai AFK des nuits et des nuits. Donc, au final, c'est pas si important que ça. Donc, les plateformes... quelles dimensions vont-elles faire? J'ai pas de... Attendez. On va prendre un petit peu de terre, histoire de se faire un échafaudage. Voilà. Parfait. Très bien ça. Voilà. Donc on verra l'optimisation à la fin de la vidéo, hein. c'est pas le plus simple, c'est pas le plus compliqué. Bon, la nuit je voulais bien, mais la pluie non, genre oh, doucement les zombies, doucement. Alors non,
Je pense que... Voilà. Comme ça, au moins, j'ai pas besoin de me mouiller les pattes à chaque fois. Donc, les plateformes, quelles vont-elles être? Elles sont juste en dessous de la du toit. Donc, 9 blocs, si vous comptez bien. On va partir de l'arrière. Merde. Non. Quand je suis avec les élytras, il veut pas sauter dans l'eau. Voilà. Donc, ça part de là. Un bloc, deux blocs, trois blocs. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va jusqu'au balcon en fait, jusqu'au pas de la porte, tout simplement. Voyez, on va jusque là. Voilà, donc on fait le devant. 3, 4, 5. Ah. 1, 2, 3. Je vais pas y arriver. Je suis un handicapé. Bon, plutôt, voilà. On va faire ça. Donc là, on a 4 blocs, 5, 6 et 7. Et on refait la même chose de l'autre côté, enfin sur tous les côtés, pour finir, eh bien, la première plateforme de spawn. Les witches se sont tout simplement spawnés sur ces plateformes en packed ice. Prenez bien de la packed ice et pas de la ice normale. Parce que sinon, sur la ice normale, elle ne spawn pas. Voilà, tout simplement. Et on termine la plateforme. Voilà. Pour la... Ouais, c'est ça. Pour la seconde plateforme, on va partir. On va se mettre 3 blocs en dessous de la première. Donc 1, 2, 3, quatrième bloc pour la packed ice. Et on recommence le même pattern juste en dessous. Voilà. Donc au final, vous devez avoir ce pattern-là avec le toit qui ne va pas jusqu'au bout de un bloc. Pour la plateforme du haut. Ensuite, vous cassez toute la witch hut. Voilà, la cabane de hut. La cabane de witch. N'importe quoi. Voilà, une fois que la cabane est cassée, vous remplissez donc les deux plateformes de Packadice. Voilà, donc une fois que tout ça est fait, vous allez mettre un bloc de construction. En dessous, vous remplissez le dessous de la première plateforme, la plus haute, avec ce bloc de construction. Voilà, une fois que ça est fait, vous le voyez bien, hein, voilà, tout est rempli en dessous. Vous choisissez de quel côté vous allez mettre la redstone et de quel côté, donc ça sera le côté opposé, les witches vont-elles tomber? Alors, moi je veux qu'elles tombent de ce côté-là, et donc par opposition, je vais mettre la redstone de ce côté-ci. Voilà. Pour poser la redstone, donc on va déjà poser des dispensers. On va les mettre un bloc plus haut. Donc ici, vers le bas. Vous voyez, donc faut que ça fasse une forme à peu près comme ça. Quand ils vont être tous, je vais vous le montrer, positionnés. Donc tout le long de la plateforme, vous allez mettre des dispensers. Voilà. Comme ça. Et le dernier ici. Voilà. Donc vous avez votre ligne de dispenser. Vous allez mettre dessus de la redstone disposée comme ceci. Voilà. Et vous refaites la même opération justement à la place de la dirt qui est ici, enfin non, en dessous de la dirt, pardon, qui est ici. On peut d'ailleurs même, voilà, enlever ça, et en dessous de cette dirt, vous allez mettre le reste de vos dispensers. Hop, et on va casser, non, on va monter au-dessus. Voilà, on va casser la dirt. Et vous allez mettre de la même manière de la redstone, comme en haut, hein, hop, aux mêmes endroits. Bon, maintenant, on va s'attarder à la redstone à l'intérieur de la ferme, donc qui va déclencher bien tout simplement l'eau qui va être dans ces dispensers. On va se positionner au troisième fil de redstone. On va mettre ici. Voilà, on va mettre
un bloc ici avec sur ce même bloc une torche de redstone. Ok, je vois bonne humeur. Ensuite, on va remonter, voilà, la manière la plus gracieuse possible, voilà. On va remonter ici. Ici, on va descendre d'un cran et mettre un fil de redstone avec... non mais je suis le pire des boulets en plus. J'ai bien sûr oublié les blocs. Voilà. Bouletto, bonjour. Voilà. Tac. Non, s'il te plaît, merci. Hop. Et on va mettre ici un bloc de redstone. Au-dessus de ce... Putain, mais je suis le pire des débiles. Pardon, excusez-moi. Au-dessus de ce bloc de redstone, on va mettre... Alors, pourquoi la terre a cette couleur-là? C'est simplement parce que je suis dans le marais. Et donc, voilà, la terre n'a pas la même couleur. On va ici mettre un piston. Fail. Collant. Voilà. Dans ce sens-là, qui va descendre. Ensuite... On va mettre une torche de redstone ici, à cet endroit-là, qui va déclencher, enfin réenclencher ce piston. Tout ça, on peut le casser, c'était juste pour poser ce bloc-ci. On va remonter, hop, et on va poser ici un bloc de redstone avec... Bien sûr, monter. On va donc ensuite, donc sur ce bloc avec la torche de redstone, poser un fil. Voilà. Et on va poser derrière ce bloc de redstone un piston collant dans cette direction. Enfin, on va terminer avec un petit fil de redstone, voilà. Alors, moi, c'est assez compliqué parce que, comme vous le voyez, je suis au milieu de l'eau en survie. Donc voilà, c'est pas forcément l'usine la plus simple, la plus facile à construire, mais voilà. Au final, ça doit vous donner ça avec une torche ici et c'est tout. Voilà, une torche dans ce sens-là. Au final, les deux fils qui sont sur les deux lignes de redstone sur le dispenser doivent être éteintes. Voilà. Oh, le dynamic light. Même avec les torches de redstone, c'est pas mal. Bref. Ensuite, vous positionnez un toit, encore une fois, au-dessus de la deuxième plateforme. Voilà. Alors, je suis allé chercher du spruce parce que je pense que c'est ce que j'utiliserai principalement pour la construction. Hein, voilà. T'avais qu'à pas spawner là-haut. Petit con. Bref. Donc voilà, au final, vous devez avoir ceci. Une petite plateforme de cette taille-là. Voilà, ensuite, une fois qu'on a fait déjà tout ça, on a déjà fait une belle partie du travail, on va placer notre verre. On va déjà mettre une ligne en dessous des dispensers. Donc, voilà. Hop, en dessous des dispensers. Et maintenant, à partir de celui-là, vous comptez 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous comptez de la même manière dans cette direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Vous, je suis le pire des cons, vous faites la même chose dans les deux autres directions à l'autre extrémité de la ligne de verre. Donc pareil ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, je ne sais pas compter, 7 bien sûr, hein, c'est de l'humour, waouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, vous pouvez les relier. Voilà.
Et ici, vous allez faire une espèce d'escalier. Vous allez faire un dégradé. Vous allez faire une diagonale, tout simplement. Voilà. Et au final, vous devez avoir quelque chose de cette taille-là. Ici, la même chose. On va faire un dégradé. Hop. Et vous devez retrouver finalement le coin ici. Voilà. Même chose de l'autre côté. Hop. Tac. Le coin ici. Même chose pour le dégradé ici. Voilà, elle n'est pas si compliquée que ça, cette usine, hein. Elle est très elle est compliquée à construire par le fait qu'on est en l'air, presque dans l'eau, hein, pour mon cas. Et enfin, vous remplissez. Mais voilà, niveau redstone, elle n'est pas très compliquée. Niveau matériaux non plus, hein, il suffit pas. Il nous faut quelques ressources, quoi. Mais voilà, c'est rien de bien extraordinaire. Hop. Et on remplit toujours tous les trous. Voilà. Vous vous en doutez très certainement pourquoi on fait ça. Simplement parce que nous allons avoir de l'eau qui va couler de nos dispensers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et l'eau, si on ne fait pas une plateforme de la bonne taille, elle va s'écouler n'importe comment. Vous allez voir que si la source de ce dispenser, qui est ici, par exemple, qui sera ici, va être lâchée, vous allez voir qu'elle va s'écouler jusque là et voilà, pas plus loin. Je galère parce que j'ai pas d'AppStrider sur celle-là. Voilà. Et donc voilà. Et donc c'est pour cette raison qu'on a fait, pardon, une plateforme de cette taille-là. Vous voyez, hop, jusque là, l'eau ne s'écoule pas. Je vous montre aussi de ce côté-là. Mais c'est la même chose, elle ne s'écoule pas. Vous faites exactement la même chose sur la plateforme d'en bas. Et au final, vous avez ces deux magnifiques pads, ces deux magnifiques. Oui, ouais, ces deux pads de verre. Ces deux. Je sais pas trop comment on pourrait les appeler. Voilà, ces deux esplanades. Comme vous voulez. Bref, on a ces deux espaces de verre sur lesquels l'eau va s'écouler. Alors maintenant, vous êtes demandé peut-être tout à l'heure pourquoi j'avais pris 54 de fer ici. Simplement pour faire 18 seaux. Pourquoi 18 seaux? Bah simplement parce que les dispensers, il va bien falloir les remplir. Alors, autant le faire maintenant. Ça va en plus nous permettre de vérifier que notre machine fonctionne bel et bien. On va remplir chaque dispenser avec un seau. Hop. Donc tous les dispensers, histoire que des sources infinies ne se créent pas entre chaque dispenser. Si on en mettait un sur deux, ici il y aurait une source, ici aussi. Et bien comme vous le savez dans Minecraft, quand trois blocs sont recouverts à leurs extrémités d'eau, sur le bloc central, une source infinie se crée. Et donc c'est ce qu'on ne veut pas avoir dans cette usine. On veut tout simplement que les sources, à chaque fois, soient réaspirer, enfin ravaler. Et donc pour ça, il nous faut un seau dans chaque dispenser. Ah, il m'en manque, il m'en reste un, c'est normal, c'est parce que c'est mon seau de construction, enfin mon seau habituel. On va donc, justement, ça va nous permettre de tester notre usine. On va l'enclencher. Et vous allez voir, voilà. Enfin, les deux plateformes sont recouvertes d'eau. Voilà. Donc ça vous permet de vérifier que votre usine fonctionne bel et bien. Donc on se re... Qu'est-ce qu'il veut lui? Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Photo de ma bite! Non mais dis donc. Je connais pas. Hein. Bon bref, maintenant on va faire le système de... Le système d'acheminement entre guillemets des loots. Enfin pas des loots mais des witch. Enfin oui voilà, des mobs. Donc pour commencer on va faire... Une petite barrière avec le verre que l'on a, qu'on va prolonger de 1 par rapport à ça, par rapport à notre toit. Hop. Pourquoi? Simplement pour canaliser les sorcières sur un seul et même endroit de drop, entre guillemets. Hop. Voilà. On continue, merci. Voilà. On peut casser ça. Tac.
Voilà, on leur fait une petite un petit garde-fou, hein, voilà, une barricade, on peut le dire. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, on doit descendre d'un étage. D'un étage, hein, pas tous, bien sûr. Hop, on remonte. Et on va le refaire. C'est ça. Un bloc plus bas. Donc, autrement dit, ici. Donc, hop. Oui, là. Voilà. Tac. Donc, tout simplement pour que les sorcières chutent, mais directement sur un seul et même endroit. Donc hop, on fait ça jusque tout simplement jusqu'en bas. Alors il faut aussi que les sorcières tombent meurent de chute. Pourquoi? Parce que on peut pas les faire cramer dans la lave. Elles ont des potions de fire resistance. On ne peut pas les faire suffoquer. Toi tu vas m'emmerder. Elles se heal plus vite qu'elles ne suffoquent. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a les golems, mais les golems peuvent mourir et c'est un peu chiant. On a quoi? On a aussi... c'est tout, hein. On a donc la chute et donc ça, voilà, c'est la manière la plus simple et la plus économique pour faire mourir les sorcières. On va recommencer juste ici le même pattern. Comme de l'autre côté d'ailleurs. Et donc comment on va les faire mourir de chute? Comment savoir? Parce que ça c'est un problème qui se pose quand, quand on ne connaît pas forcément par cœur le système de l'usine. Comment on va faire pour les faire mourir de chute? Eh bien on va calculer la hauteur de laquelle elles doivent tomber par rapport à leur point de vie. Alors c'est tout simple, hein, les points de vie, qu'est-ce que c'est? C'est pas le nombre de cœurs, attention, c'est pas la même chose. C'est le nombre de demi-cœurs. Voilà, c'est un demi-cœur est égal à un point de vie. C'est pour ça d'ailleurs qu'en UHC, on voit les joueurs ont souvent, quand ils ont pris Gapple, donc quand ils ont mangé une pomme d'or, ils ont 24 points de vie. C'est parce qu'ils ont 10 cœurs plus 2. Donc x 2, 12 x 2 est égal à 24. J'ai beaucoup trop de trucs ici. Voilà. Donc voilà, c'est tout simplement les points de vie qu'ils ont. Donc comment calculer la hauteur de chute d'un mob? Eh bien on calcule son nombre de points de vie. Donc la sorcière on a 26 plus 3. Pourquoi plus 3? Simplement bah, parce que pour prendre des dégâts de chute, il faut commencer à chuter de 3 blocs. Voilà, c'est tout simple. Maintenant on va continuer. Voilà, on va hop, terminer le garde-fou entre guillemets. C'est quand même bien d'Epstrider, hein, pour construire. Et là à la limite je pourrais même me mettre les Frostwalkers parce que je suis à hauteur d'eau. Voilà, et ce serait quand même bien plus pratique. Voilà, voilà. Donc on a ici nos sorcières qui vont glisser, glisser, glisser sur la pack à dice. Et qui vont tomber tout simplement. Tomber dans le trou. Donc de 26 plus 3, 29 blocs. Par sécurité, on sait jamais, il peut y avoir un lag. Je sais pas trop, une araignée ou quoi. Bref, un truc. Par sécurité, on va faire 30 blocs et pas 29. Voilà, c'est tout simple. C'est pas... Ça coûte rien de faire un bloc de plus. Moi, le problème qui se pose, c'est que je suis... à hauteur d'eau, arrêter les slimes c'est chiant. Donc du coup je vais devoir tout simplement faire un... Déjà vider la colonne d'eau. Donc ça va être bien sympathique. Et aussi créer, comme vous le voyez, une espèce de chute, enfin de pas de chute mais de grande tour, c'est ça. Voilà, donc je construis ça et je vous dis à tout de suite parce que ça, à vous montrer, c'est absolument pas intéressant. Hop, là. Donc je suis à la couche 64 et donc je vais descendre à la couche 30. Voilà.
Je vous retrouve juste en bas pour le système d'acheminement des loots. Je pense que j'acheminerai peut-être les loots ici. Par là. Je ferai une espèce de dock. Ouais, je vais voir. Je vais voir. Je vous retrouve juste après. Je suis content. J'avais oublié un comparateur. Du coup, j'ai dû tout remonter. Trollolol. Alors, donc on est bien à la couche 34. Donc, les hoppers vont être sur cette ligne-là. Mais vous allez me dire, oui, mais là nous. D'ailleurs, c'est pas dans cette direction, je crois que je dois aller. Ouais, non, je vais dans l'autre direction plutôt. Hop, alors vous l'entendez, il y a des cavernes. Ça, c'est côté optimisation. Il va falloir que je torche toutes les cavernes. Ça va être très très fun. Trollolol. Trollolol. Donc, couche 33, c'est bien ça. On va mettre les hoppers sur cette ligne. Donc les witches tomberont sur les hoppers. Voilà. Donc on est bien à la couche 34. Pour que ce soit plus sympathique, pour qu'elles aient moins mal en tombant. Bon, elles vont quand même mourir, hein, on s'en bat les couilles, mais on va leur mettre des petites carpettes. Voilà. Et ici, on va donc faire, pardon, un ascenseur à item. Alors, vous le connaissez, c'est celui, enfin, vous le connaissez, non, je l'ai pas encore fait, mais il repose sur le même système que les deux qu'on a déjà fait, mais je vais quand même vous le montrer, parce que niveau redstone, il est assez sympa. Donc, on a besoin d'un dropper. Voilà. Vers lequel des hoppers se dirigent. On va avoir besoin de trois observer blocs. Donc, on va avoir... Donc, hop, on doit les positionner de cette manière. C'était bien là, sauf qu'il faut juste mettre un coup de piston, en fait, à un moment. Hop. Voilà, donc c'est normal que ça fasse un peu de bruit pour le moment. Ici, on va mettre justement un piston collant. Justement un piston collant et ici on va mettre un comparateur wait alors je vais juste checker je reviens alors c'est pas dans ce sens là la tête doit être vers le haut vous voyez hop et là de suite la machine est enclenchée ça fonctionne. What? Attendez. Ça doit bugger. Il y a un truc qui doit bugger en fait. What the fuck? Normalement, ça doit pas. Ah, mais reviens là. Voilà, ça y est, c'est amorcé. Putain, c'est pas simple à mettre en place, vous voyez, c'est... Je préfère limite l'autre. Alors, certes, ça tourne en compte. Non, c'est vrai qu'on aurait pu mettre un comparateur. Hein, je suis en train de penser. On aurait pu. Mais bon, voilà. Voilà. On peut tout reboucher. Ici, il me semble qu'il faut laisser ouvert, si je dis pas de bêtises. Donc, hop. Et donc là, du coup, on va pouvoir commencer notre. Alors, là, je pense que je vais très certainement mettre de la. Au lieu de mettre du verre qui est quand même assez non économique on va se le dire je vais mettre de la
De la stone brick. Voilà. Donc comme ça, si jamais... je suis claustro, ouvrez-moi, merci. Si jamais on tombe en minant ou quoi sur notre colonne, on va arrêter de miner et on va se dire, ah, il faut pas qu'on détruise et qu'on laisse ouvert le chemin. Si on laisse de la stone normale ou du granit ou quoi, on va se dire en minant dedans, bon, c'est rien de grave, on continue et on laisse ouvert si jamais on fait du genre du minage au petit. Alors que si on tombe sur de la stone break, c'est-à-dire soit qu'on a le stronghold, et c'est impossible parce que je suis à côté du 0-0, il n'y en a pas avant 1200 blocs du 0-0, ou que c'est une construction à moi. Et les constructions à moi, pas touche. Voilà, et on va, je vais juste vous montrer avec une carpette. Voilà, elle pop. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. On a juste à... Je suis, voilà, merci. Oh, c'est joli. Avec le Dynamic Light, j'aime beaucoup la lumière qu'émet les torches de Redstone. Ça fait un petit peu lumière tamisée. C'est, oh, vous sentez qu'on se rapproche. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc c'est, moi j'aime bien. Voilà, donc je monte jusque là-haut et je vous dis à tout de suite pour la suite de l'usine. Et on a bientôt fini. On en est, bah, ouais, quasiment à la fin. C'est pas bien compliqué le reste. Donc on se retrouve, alors, j'ai terminé donc le système, la tour de chute, vous la voyez ici, donc on voit en bas les carpettes, hein, tout en bas donc c'est des carpettes marron. Je n'ai pas éclairé en bas, pour la simple et bonne raison que de toute manière il y a des carpettes, donc ça ne peut pas spawner. J'ai terminé la remontée des loots, et je vais vous montrer aussi grâce à ouais, ce bloc de sable. Je le lâche, il est aspiré et il va réapparaître ici. Puisqu'on a toute la colonne qui fonctionne, et voyez, hop, le sable et arrive ici. Voilà. Donc la tour des loots fonctionne. On a juste à reboucher ici pour ne pas tomber. Et maintenant, on va faire la partie la plus chiante, clairement. C'est la partie qui, moi, m'ennuie le plus. C'est faire le toit pour optimiser le spawn. Alors, comment on va faire le toit? Eh bien, on va déjà recouvrir toute la plateforme de ces blocs. Toute la plateforme de spruce qu'on a ici. Donc, le toit de la première plateforme de spawn. Une fois qu'on a fait ça... Voilà, non. Merci. Vous voyez, je me suis bien équipé parce que justement, on va en avoir besoin. Une fois qu'on a fait ça, on part de chaque coin et on compte 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça tombe bien, après, je sais plus compter de toute manière. On part de chaque coin comme ça et on fait 14, donc à chaque coin on part ici encore de 14. Une fois que tout ça est fait, vous avez cette croix très sympathique. Attention à ne pas tomber ici, je vous le rappelle, on a 30 blocs. Donc sans Feather Falling 4, enfin sans Feather Falling, vous mourrez. Et ensuite vous reliez tous les coins, un peu comme tout à l'heure avec les pads de verre. Vous reliez tout droit les quand elles sont quand les barres sont le plus rapprochées et vous y allez en diagonale quand c'est pour relier deux coins. Hop, on fait ça en diagonale. Vous comptez même pas, ça ne sert à rien. De toute manière, si vous avez bien compté 14 dès le début, vous tomberez exactement tout pile. Voilà, pour terminer le chemin à côté, enfin du à un bloc de décalage exactement. Alors l'autre en bas, regardez, il me suit. Regardez, le gogol là en bas. Il est content. Il est content, il me suit, il me voit, enfin il me voit. Normalement non, puisque je suis au-dessus de quelque chose, mais bon. Je vous rappelle qu'on est dans Minecraft, les mobs sont totalement pétés. Bref. Et enfin, une fois que vous avez ce pattern-ci, vous le voyez, vous remplissez exactement tous les trous, ça va être très rigolo. Voilà. Vous remplissez tout, pour au final avoir... Eh bien une luminosité minimale à l'intérieur de la ferme pour optimiser le spawn sur les plateformes. Sur les plateformes, pardon, voilà.
Allez, je vous retrouve dans quelques heures. N'oubliez pas qu'ici, vous avez un bébé zombie qui peut spawner. Donc, recouvrez de dalles aux extrémités des dispensers. Voilà, n'oubliez pas. Ici aussi, de toute manière, voilà, la redstone, la dalle se positionne bien. Et normalement, une fois que vous avez tout recouvert, bon là ce n'est pas le cas, mais vous devriez avoir uniquement ce bloc-là qui dépasse de votre toit. Voilà, et au final, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, alors pourquoi là il y a de la lumière? Simplement parce qu'en dessous, j'ai ma petite île avec ma torche. Et vous savez, c'est buggé à mort. Donc voilà, mais c'est graphiquement, hein, c'est graphique. Donc voilà, vous voyez, le light est de zéro. Bonjour, on se retrouve. On est pas mal de temps, comme vous le voyez, après la dernière séquence. Alors, je vais un petit peu vous expliquer quelques trucs avant que la vidéo se termine. On terminera cette usine dans le prochain épisode, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui il est bien avancé et parce qu'on a encore quelques trucs à faire. J'ai pas mal de trucs à vous expliquer. Bref. Qu'est-ce que c'est que tout ce système, messieurs-là, vous allez me demander? C'est tout simplement le timer de l'usine. L'usine que je vous ai présentée plutôt en début d'épisode qu'on a construit ensemble est une usine qui a été designée pour la 1.7 ainsi que pour la 1.8. Vous le savez, nous sommes en 1.11.2 et Mojang adore changer des petits trucs à la con entre chaque version de Minecraft et même parfois entre chaque snapshot. Le seul problème, c'est que le compteur que Monsieur Touffe, donc Redstoneur à l'origine de cette usine, avait designé est cassé et ne fonctionne plus. Alors, c'est absolument pas de sa faute, c'est des. Voilà, j'ai pas envie de dire normal, puisque non, c'est pas normal que Mojang casse des trucs en Redstone à chaque version, mais bon voilà. Et j'ai donc dû, pendant. J'ai dû y passer ouais, 5-6 heures, je pense. J'ai dû redesigner un nouveau compteur. Alors, je voulais pas faire une overclock toute simple de, par exemple, 40 secondes. Donc, par exemple, au bout de 40 secondes, on a une impulsion qui part et qui déclenche l'eau. Au bout de nouvelles 40 secondes, on a une nouvelle impulsion, etc. Ça voudrait dire que pendant 40 secondes, il y a de l'eau qui reste sur l'usine et pendant 40 secondes, elle ne tourne pas, elle fait rien. Ça serait vraiment dommage. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de faire vraiment un vrai timer avec une phase de 40 secondes pendant laquelle les witch spawn et une phase de 8 secondes pendant que l'eau s'écoule puis est ravalée par les dispensers. Alors, il y avait un problème et de temps, mais aussi d'impulsion. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, il y a des pulse limiteurs un peu partout, en fait, sur cette machine. Je vous l'expliquerai un peu plus tard, parce que c'est vraiment une machine à part entière, hein. C'est vraiment... voilà. Aujourd'hui, j'ai pas la foi de vous l'expliquer. J'ai encore passé 2 heures ce matin. Alors, je vous parle, on est le 15. Donc, voilà, vous devez l'avoir dans 3 jours, 4 jours, 3 jours. Donc, voilà, j'ai pas vraiment la foi de vous l'expliquer. On verra ce compteur, ce timer, en détail la prochaine fois. Ce que je peux vous dire, c'est juste que eh bien l'usine est terminée. On aura juste à dalle ce système là pour que les mobs ne spawnent pas et juste optimiser le terrain autour. Ça, c'est pareil, je vous le dirai dans le prochain épisode. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Il a été assez long, la construction a été simple jusque là, mais assez longue et assez détaillée. On verra donc dans le prochain épisode le timer en détail. Je vous l'expliquerai vraiment le plus en détail. Hein. Il ne faudra pas que vous hésitiez hein, aussi à poser des questions en commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose. Mais bon voilà. Je vous dis merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vert ou un pouce rouge. Si vous avez plu, de gros bisous. C'était la nouf. Tchou!